Le duc et la duchesse de Cambridge sont extrêmement enthousiastes à l'idée de leur déménagement à Windsor, a affirmé un initié. William et Kate seraient désireux de déménager à Adelaide Cottage sur le domaine de 665 acres de la reine afin qu'il puisse être plus proche de sa grand-mère alors qu'il assume plus de fonctions royales alors que le monarque se retire de la vie publique. Il est entendu que les Cambridge emménageront dans leur nouvelle maison cet été, une source anonyme a déclaré. Toute la famille est extrêmement excitée de déménager à Windsor, non seulement parce que cela les rapprochera de Queen Elizabeth II. Mais c'est un juste milieu parfait qui les rapproche de Londres que s'il avait choisi s'installer à plein temps dans le Berkshire ou à Hampner Hall. Hampner Hall est la retraite de la maison de campagne géorgienne des Cambridge où la famille se sent le plus à l'aise. La source a ajouté, en étant à Windsor, ils ne sont qu'à 20 miles du centre de Londres et du palais de Buckingham et c'est un bel environnement chargé d'histoires et un endroit si spécial pour se sentir chez soi. Le déménagement de William et Kate du palais de Kensington à Windsor intervient après que la reine a élu domicile à plein temps au château de Windsor plus tôt cette année. La source a déclaré à Us Weekly que les Cambridge aimeraient passer plus de temps avec la souveraine, qui a célébré son jubilé de platine en juin. Ils ont dit, George passera beaucoup plus de temps avec Sa Majesté, tout comme toute la famille Cambridge et ça va être un vrai régal. Ils assimileront autant de connaissances que possible pour l'avenir et commenceront la période des adaptations qui aboutira finalement à ce que papa puis son fils deviennent roi. Un autre initié royal a précédemment déclaré au Daily Mail que le déménagement était dû au fait que William voulait se rapprocher de la reine alors qu'il continuait d'assumer des fonctions royales supplémentaires.